объекте скучаем и ждем тебя. Ника, в этом зимнем театре выдают премию Ника на кинотавре. Хочу, чтобы тебе тоже досталась какая-нибудь премия. Папочка твой сейчас в командировке, он не может тебя увидеть. Я тебя хочу видеть в Сочи на пляже «Жемчужина». Никуся, удачи. Ждем. Удачи. Удачи тебе. Ждем твою премию. Ждем твою премию. И тебя ждем. J'ai envie de te poser 1000 questions, Véronica, mais je pense que ton expression vaut vraiment 1000 mots. Ça te fait plaisir, hein? Oui, ben écoute, ça fait 10 ans que je ne les ai pas vus. Je les ai vus juste la première fois, il y a un mois. Oui. Alors, je m'attendais, c'est la dernière chose que je m'attendais à voir, là. Oh mon Dieu. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui a pensé à ça, mais j'imagine que c'est mes parents. Donc, merci beaucoup, ma mère, puis tout le monde. Alors, nous, on a eu droit à la version sous-titrée, alors on va te demander de traduire à tes amis qu'est-ce qu'ils ont raconté, mais c'était que de belles choses, vraiment que de belles choses. Je t'embrasse et puis j'espère vraiment que tu en as profité. À plus tard. Merci. Très, très cool. Ouais, c'était... Oui, c'était très émouvant. La mère forte, là, mère courage du loft qui a craqué un petit peu, c'est touchant. Mm. Alors maintenant, nous allons parlons d'image. Je viens de dire oui. Mère forte, c'est une image forte. Mm-hmm. Et on s'intéresse à l'image aujourd'hui. Oui, tout à fait. La cote d'amour. La cote d'amour. Oui, comment, à quel point les lofteurs s'aiment entre eux et à quel point le public les aime. Alors comment ils se perçoivent versus comment nous, on les perçoit. Alors, avant que je vous parle de comment nous, le public, on les perçoit, allons voir comment eux, mon Dieu. Je suis donc bien sérieux. Mais oui, c'est l'émotion. Allons voir tout de suite comment les lofteurs se perçoivent, eux, en image. Love story. Je vais maintenant procéder à l'analyse de l'image publique de Delphine. Alors, l'attitude qui caractérise ce lofteur bébé est charmeuse. Quel événement marquant dans le loft concernant ce lofteur va-t-on se rappeler après l'aventure de Love Story? Le rapprochement avec Thomas. Puis ce lofteur est-il perçu comme un vainqueur dans les médias? Non. C'est bon. Je sais pas pourquoi ils ont répondu non. Pourquoi je pourrais pas? Véronica! La raison pour laquelle le public l'aime, son intelligence. Et ce lofteur est-il perçu comme un vainqueur dans les médias? Oui. Yeah. Son plus gros défaut dans le loft, il est influençable. Il est parfois renfermé et se mouille pas pour peur de blesser les autres. Ce lofteur est-il perçu comme un vainqueur dans les médias? Absolument. Élodie, la raison pour laquelle le public l'aime, à faire rire puis à mettre de la vie dans le loft. La raison pour laquelle le public la déteste, parfois, ça peut tomber sur les nerfs des autres. Mathieu. Ce que ce lofteur ne serait pas prêt à faire pour gagner. Arrêtez de fumer. Arrêtez-tu, Christelle. Son nom du lofteur dans les médias. Landy, la blonde ou bien Barbie. Attitude qui caractérise ce lofteur. Superficiel. Semble-t-il que je projette une image de femme superficielle? L'image publique de Sébastien. Bon, je vais aller prendre... Je vais aller prendre une marque, quelque chose. Surnom du lofteur dans les médias, la momie. La raison pour laquelle le public l'aime, maladroit, rejeté, pas peur du ridicule. Ce que ce lofteur serait prêt à faire pour gagner, trahir tout le monde, manipuler, mentir. Hey, mon Dieu, je sais pas si on a pris leur réponse. Ça a l'air que je suis un caméléon, je suis stratégique. Que je trahirais tout le monde, que je manipule, que je mens. C'est tellement pas moi, là. Donc, regarde ça, je suis outré. Je suis vraiment outré. Ça me fait de la peine, là. Je demande mon expulsion du loft parce que... Professeur, belle avance. Oui? Je serai votre Vanna White.
plate. C'est incroyable. On défonce le budget à la story. Oui. On a un graphique, c'est incroyable. Sur un beau carton. Et un bon professeur que je suis, je vais maintenant sortir ma baguette. Mon Dieu, quelle mise en scène, un gag incroyable. Ça, c'est du visuel. On me paye pour ça. Attention. Alors, je commence avec la ligne du haut. Ici, on a 6 semaines oui. et 5 lofters. Voilà. Alors, c'est leur note sur 100. C'est leur code d'amour sur 100. Alors, on voit ici la ligne rouge de Cass. Cass, oui. Alors, qui s'est tenue entre 50 et 60 pendant les 6 semaines. Ça va dans l'ombre, mais ça va très, très, très bien bon. Pour oui, lui. Ça veut dire bon. Que la technique du « je dis comme tu dis, je fais comme tu fais » fonctionne. Alors, sur ce, Cass, je t'encourage. La ligne jaune, c'est Delphine. Oui. À l'intérieur du loft, Delphine n'est pas vue comme une gagnante. Non, c'est on ne la voit pas aller jusqu'à la fin, mais à l'extérieur du loft, on la voit, elle se rend jusqu'à la dernière semaine et on voit ici qu'elle monte. Qu'elle monte. Doucement, doucement, doucement. Et si elle continue à tenir tête à Thomas comme elle fait, comme cette semaine quand il l'a invité à dormir dans la chambre du patron et qu'elle a fait « Va faire tes devoirs, garçon, et reviens me voir plus tard », eh bien, elle a des chances de se rendre très, très loin et la cote va continuer de monter. Grimper, voilà. Alors ensuite, en bleu, on a ici Christelle. Ah, ça baisse, tiens. Oui, oui, ça va vers le bas. Christelle, hein? qu'on pourrait appeler Tristelle cette Christelle, semaine parce qu'elle était triste. Christelle, ça descend vers le bas. Et peut-être que c'est dû au fait qu'elle est la seule qui n'a pas adopté la mode du pantalon de jogging. Peut-être que les gens veulent voir du coton ouaté gris et ils en voient pas assez sur elle et on l'oublie. Ça, c'est fort possible. Alors ici, en orange, c'est bien du orange. Hein, oui, c'est orange, ça, oui, très orange. C'est daltonien que je suis. Oui. C'est chien, la production. Non, là, mais regarde, je t'aide, là. Alors, Élodie, en orange, eh bien, ça a descendu un petit peu et ça a remonté et ça a redescendu. Hein? Mais attention, oui? J'ai fait appel ici à ton sens de l'observation. Regarde la ligne de Élodie et regarde la ligne de Cass. Oh, mais mon Dieu. Non, non, mais ça se ressemble. C'est ça se ressemble. Non, troublant. Non, mais Frenchez-vous et vous vous retrouverez au sommet. Incroyable. Et il me reste pour terminer. Mais ils sont déjà Frenchés, fait qu'il faudrait qu'ils fassent autre chose. Ils sont déjà Frenchés, fait qu'il faudrait qu'ils fassent ben oui, c'est ça, autre mais chose. Là, ben, votez pour eux autres. C'est ça qui reste. Et là, il me reste qui, là, quand je l'ai fait, Delphine, Élodie, Christelle. Sébastien. Non, oui. Sébastien. Je les ai tous la verte, la verte. Ah, non, la verte, Sébastien. Ben oui. Ben oui, Sébastien. Oui, ben, Sébastien, on l'aime le détester. Et on le déteste de plus en plus, donc sa cote d'amour continue de monter. Hey. Non, mais c'est la seule explication que je trouve. Mmh. Vraiment, on aime ça quand il fout le trouble, et il fout de plus en plus de trouble, alors on vote pour lui. Voilà. Merci beaucoup, professeur Bellavance. C'est un grand plaisir. Merci, merci. Alors, vous savez, il y a quelques semaines, Stéphanie a eu droit à son imitation, mais les autres évincés ne sont pas en reste. Regardez bien. Love story. Alors, je suis Karine. Tom, tu me fais très ma soeur. Lave-moi le bas du dos. Matt, viens-tu fumer sa terrasse avec moi? OK, OK, OK. On est où, là? On est où? T'as-tu fait la bande de freaks là-bas qui pensent qu'on est dans un jeu d'échecs? Ça n'a aucun bon sens. Ça va où, toi, avec tes skis dans ton bain? OK, donc, une journée dans la vie de Vincent. Un petit shake de protéines. Yes! On s'en va au jardin. Aujourd'hui, moi, je suis Marilyn. Aujourd'hui, qu'est-ce que je mets? Un gendarme rouge. Je vais mettre un bracelet rouge parce que j'ai du rouge. Ah, j'ai du blanc. Donc, mets-toi un bracelet blanc. Véro, as-tu besoin d'aide, là? Non. OK, mais je m'en viens quand même, là. Donc, je suis Robert. Puis j'y ai dit... Donc, je vais aller faire la cuisine. Pas le choix. Je fais beaucoup de cuisine. Puis là, il faudrait faire une activité ensemble, là. Il faudrait peut-être vous compter des blagues d'or, là. Ça serait le fun, là. Ça serait vraiment plaisant d'avoir des blagues, là. Frankie. Oh! All by myself. Don't wanna be... Casse. T'as pas de classe, j'en reviens pas comment t'as pas de classe. T'es perdu tout le monde, t'es con. T'es con. Là, je vais avoir une overdose, je vais aller me péter un peu de sel, là. Bonsoir, les lofters, ça va bien? Oui! Et toi, Frank, mon beau Frank, qu'est-ce que ça te fait d'être au balotage? T'es fin, Sébastien, puis en plus, avec l'argent que t'as gagné, tu vas pouvoir m'amener prendre un verre. Bien sûr, allez. Sébastien. Fait qu'écoutez les lofters, je vous reviens dans pas long, je vais en libérer un de vous, puis là, je vais avoir quelque chose de très intéressant que vous pouvez pas boire, vous, dans votre salon. Donc, passez une belle soirée!
drôle, Christelle! Bon, mais coudonc, les lofters! Comment avez-vous trouvé vos imitations? Ah, c'est quand même, ça doit être touchant de voir ça. Ils se souviennent de vous, de vos tics et tout. Très touchant. Ben oui, ton préféré, Sébastien, qui t'a imité. Comment tu trouves ça, Bob? Ah, écoute, j'ai pas le choix d'y rendre l'appareil. Alors, Marie, est-ce que tu viens prendre un verre avec moi? J'ai pas mis mes sourcils de Gricho, là. Je vais les mettre tantôt. Karine, toi, je pense que ça t'a fait plaisir que ce soit Mathieu R. Oui, ben oui, moi, ça m'a fait plaisir beaucoup parce que je me suis rapprochée de Mathieu dans la dernière semaine où j'étais dans l'offre. Puis je suis contente de voir qu'il était capable de faire un résumé en 10 secondes de mes deux semaines passées dans l'offre. C'était très représentatif. Là. J'ai trouvé ça très drôle. Et ça t'a fait sourire. Et toi, ouais. Marilyn? Moi, je suis super contente que Véro... Attends, je veux juste mentionner quelque chose. Les souliers matchent avec la ceinture. Ben oui, gadon. Non, pour vrai, je suis vraiment contente de ça, Véro, puis je pense qu'elle a très bien fait ça. Même un petit bout, j'étais pas sûre que c'était moi ou que c'était elle, là. T'as cru te voir à l'intérieur ben du oui, locataire ben une oui, fois. Ben oui. Mais enfin, ben c'était une belle... Vous avez aimé ça? Votre oui. préféré? Votre imitation oui. préférée? Frank? Non! Non, j'ai appris que tu t'aimais le sel, toi. Hein, écoute. Effectivement. Les petits pots de bébé, mais oui. Le sel. Ben merci beaucoup. Alors là, c'est un peu difficile de passer à cette transition-là. Moment joyeux, moment de bonheur, mais là, je dois vous annoncer qu'après la pause, c'est la fin du duel. Bougez pas. Regardez la grande soirée Love Story 4 et nous parlons maintenant avec Kim. Bonsoir Kim. Bonsoir, Marie. Cette semaine, c'est... Bon, regarde, je vais te le dire encore une fois, elle doit être tannée de se le faire dire. Mimo, c'était ton coup de cœur. C'était mon coup de cœur. Et c'était, je pense, le coup de cœur de tout le monde. Oui. On s'entend, il est arrivé là avec une personnalité incroyable. Écoutez, avant son entrée dans l'offre durant les auditions, il était charismatique. Moi, il m'a charmé du tout au tout. C'était un beau gars, il était positif, il était posé. Même à l'intérieur du loft, dès le début, là, il était rassembleur, il était leader. Le grand sage, moi, je trouvais, même avec ses couettes, il faisait très grand sage, le plus vieux, le mature. Mais là, je sais pas si on chasse le naturel et il revient au galop dans le cas de Yannick, mais plus les semaines ont passé, plus il était drabe, on le voyait moins, il était effacé, un petit peu négatif, il se mêlait moins au groupe. Il y a cependant une facette cette semaine de Yannick, malgré toi, Stéphanie, qui l'a fait sourire. Oui. La popularité, on regarde ça. Tu vas rire, mais je sais pas si t'as pensé à ça, mais moi, avant de rentrer ici, je me suis dit... Quelle fille, genre, dans le milieu artistique qui me plairait? Pour qu'après, t'es passé? T'es pas passé, je trouve ça drôle. Pour qu'après, tu sais, je me... Tout ça bon. C'est qui je vais aller voir, genre, tu sais? Qu'est-ce que ça serait, toi puis moi, on part, là? Ça va être quoi, le show? Le show va être plat, dans ce je suis sûr que les panélistes vont dire quel joueur de faire ça, par là, il a des couilles de béton, puis il va affronter la seule personne qui est tout le temps seule. Je suis sûr que ça va m'aider. Cette semaine, ce qu'il faut, là, c'est qu'on se fasse voir. Que toi, tu te fasses voir à tonne, mon gars, à TV. Ouais, de toute façon, ça va être comme toutes les semaines. Je me fais tout le temps voir. Je suis fort, yo! C'est aussi à mes fans. Mais c'est ça, ça fait trop prétentieux. Moi, je partais avec la Russie. T'as vu, Marie, elle m'a encore parlé à moi en premier. Après moi, je suis pas pleuré dehors, sérieusement. Ouais. Je me suis dit ça après que Marie m'a parlé. Mm. Ça fait deux émissions de suite qu'elle me parle en premier. C'est bon, pareil, Moumou. Je sais qu'il va être dur à accepter si je m'en vais, genre, mais pour vous autres, parce que pour moi, ça sera pas dur. C'est charmant. Oui, mais tu vois, Kim, je pense que c'est là qu'on voit que plus ça va, plus les gens connaissent le jeu. Ils sont moins naïfs, sont conscients de qu'est-ce qui pourrait avoir une bonne image, qui pourrait donner une bonne image à l'extérieur. Et la question aussi, je me disais, je pensais à ça, pourquoi il s'éteint? Est-ce que ça pourrait être aussi la différence d'âge? On en a parlé, c'est le plus vieux du loft. Bien, Jean-Philippe, moi, de mon édition aussi, souvent, des fois, il n'était pas tout le temps d'accord. Mm-hmm. Ou des fois, c'était, il focussait sur le ménage. Puis nous autres, on s'en foutait du ménage. T'sais, on est dans Love Story. On en fera chez nous du ménage, puis c'est pas plus grave que ça, là. Mais peut-être le fait qu'il soit plus vieux, oui, peut-être que ça peut jouer. Et son fameux geste, là, cette semaine, ouais. D'avoir défié Thomas, de l'avoir provoqué un duel, est-ce que tu penses que c'est un geste noble ou c'est un geste égoïste? Mais moi, selon toi? Peu importe ce qu'on pense, personnellement, je trouve qu'il a bien fait, dans le sens où il a fait du show. Oui. Et moi, je suis pour ça, faire du spectacle. Évidemment, il le fait dans le but de sortir Thomas, mais il y en a une qui a trouvé ça très égoïste, et c'est Véronica. On écoute ce qu'elle a à dire.
Tu vas me laisser dans la merde, tu nous laisses dans la merde, tu comprends? Puis c'est vraiment égoïste de ta part. Oh, arrête, là! Mais c'est vrai! T'sais...